Good morning, allez, Iden, Shavuotov à tous. L'étude sera aujourd'hui les Elohim Nishmat Rachel Batsara et Rivka Batsara. Et nous étudions Baba Metzia, Perek Gimel, Mishnah Vav. Hamafkid Perot Etzel Chaveru. Afilu Hen Avudim, Lo Iga Bahen. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Mochran Bifne Bet Din, Mipene Shehu Kemeshiv Aveida La Bealim. Notre Mishnah, courte, Bezrat Hashem, va parler d'une personne qui pose, qui donne ses fruits ou ses céréales à garder à son ami, et pour une durée limitée. Supposons par exemple qu'il n'est pas non plus, il ne sera plus là, il doit partir en voyage, il doit être en déplacement, il va disparaître, donc il va partir pendant un mois par exemple, et donc il a laissé ses fruits, ses céréales qui sont censés normalement tenir, et il est censé les récupérer quand il rentre de voyage. Ce qui se passe, c'est que le gardien constate que ses fruits diminuent jour après jour, soit parce qu'il y a en ce moment beaucoup de souris dans la ville, ou encore tout simplement parce qu'ils sont de moins bonne qualité. On va dire que c'est des fruits par exemple qui ont tendance un petit peu à pourrir un petit peu, donc il est obligé d'en enlever constamment un petit peu. La question est: que doit-on faire dans une situation pareille? Est-ce que le gardien, il se dit, bah écoute, il les a laissés, je les laisse, et qu'il les récupère? Ou bien non, il y a ici peut-être une mitzvah de Hashavat Aveda, de se soucier, de restituer, un objet perdu, cette fois-ci c'est pas un objet perdu, mais en tout cas, sauver l'argent de son prochain, s'inclut dans la mitzvah de Hashavat Aveda, tout ça. Que faut-il faire dans une situation pareille? Et la Mishnah nous enseigne qu'il y a une discussion. On fait ça dans les mots. Amafkid perot etzel chavero. Celui qui pose, qui met en dépôt des fruits ou des céréales chez son ami. Souvent on appelle perot des fruits parce qu'on considère en fait que c'est fréquent dans les Mishnayot, dans la Gemara, des perot, ça peut être du blé, ça peut être de l'orge. En l'occurrence, il faut parler de quelque chose qui se conserve longtemps sans pourrir. Donc ça peut être que des céréales ou des choses comme ça. D'accord, donc Amafkid Perot Etzel Chavero, celui qui met en dépôt des fruits chez son ami, chez son voisin, Afiloen Havudim, même si ils sont en train de diminuer, de se faire perdre, Lo Iga Bahen, il ne les touchera pas, il les laissera tels quels. Ne vous inquiétez pas, on va apporter quelques précisions. Je préfère d'abord avancer dans la Mishnah pour avoir une image générale et puis ensuite préciser davantage la vie de Tanakama, qui n'est pas aussi évident que ça en réalité. D'accord, mais en tout cas, tel que c'est écrit dans la Mishnah, Tanakama, le premier avis de la Mishnah nous dit, tu les touches pas, tu les laisses. Quand il rentrera, il récupérera un certain pourcentage de sa récolte, il lui restera plus que 80% de sa récolte, parce qu'elle aura en partie pourri et diminué, elle aura été mangée par les souris. Malgré tout, tu touches pas, tu les laisses. Le principe, on peut déjà le dire, qu'une personne préfère manger le fruit de son labeur, plutôt ce qui lui appartient réellement, plutôt que ce qu'il n'a pas travaillé pour l'obtenir. On en reparlera dans quelques secondes. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon ben Gamliel, Mochran bifne bet din. Il faut se soucier tout de suite d'aller les vendre devant un bet din. Mi pene shehu ke meshiv aveda la bealim. Car il y a en cela une misa de hachavat aveda au propriétaire. Il est comme s'il, si on traduit littéralement, parce qu'il est comme s'il était, et parce qu'il est comme une personne qui restitue une perte à son propriétaire. Donc le principe est qu'il y a ici une mitzvah de sauver l'argent, qui vend de l'argent en péril de son prochain. Donc tu te dépêches de les vendre, qu'il n'y ait pas de perte. Ça, c'est les mots rapportés dans la Mishnah. Entre parenthèses, d'abord, sur Rabban Shimon ben Gamliel, on les vend devant un bet din. Ça rejoint les Mishnayot qu'on avait déjà aussi enseigné précédemment, je ne sais plus où c'était. On avait déjà vu que lorsqu'on veut prendre une décision sur l'argent, sur un bien qui ne m'appartient pas, et je n'ai pas l'aval du propriétaire, et que je ne peux pas le demander son aval parce qu'il n'est pas présent en ce moment, alors je devrais vendre devant un bet din. C'est une notion qu'on a déjà introduit. Je dois vendre devant le bet din, donc devant trois personnes qui vont attester que ça vaut le coup, que c'est une bonne affaire, qu'il n'y a pas d'entourloupe, qu'il n'y a pas de prix bradé. Voilà pour la Mishnah. Maintenant, on remet un petit zoom sur Tanakama pour mieux préciser l'avis du premier avis de la Mishnah. On
On apprendra dans la Mishnah, dans la prochaine Mishnah, Mishnah Zayin, on apprendra que chaque fruit ou céréale a une norme, un certain pourcentage de perte à l'année qui est tout à fait normal, c'est pas un accident. D'accord ? C'est lié au fait que ça pousse toujours un petit peu, qu'il y a toujours un petit peu par-ci par-là des fourmis, des rats, des fourmis, des souris, des rats qui peuvent rentrer et manger une certaine partie. Mais malgré tout, on apprendra dans la prochaine Mishnah des quotas où on va dire que, par exemple, jusqu'à 8%, 7%, c'est normal. D'accord ? Par contre, si on perd plus que cela, alors c'est signe qu'il y a un problème. La Mishnah, l'Agmara explique que notre Mishnah parle uniquement dans le cas où le propriétaire ne va pas avoir une perte plus grave que la quantité habituelle de perte, que la perte classique, la perte normale. D'accord ? Parce que s'il va avoir une perte plus grande, alors là, selon tous les avis, même d'après Tanakama, aussi bien dans les deux avis, il faudra les vendre. C'est-à-dire, si jamais on constate qu'il y a une très grande Makat Medina, il y a une épidémie terrible, ou une chaleur anormale, une humidité anormale, qui fait que maintenant il va perdre plus que le quota plausible de fruits pourris, alors là, même le premier avis de la Mishnah sera d'accord, qui est là, l'Alacha fixée comme lui, même ce premier avis sera d'accord qu'il faudra se dépêcher de les vendre. Dans notre Mishnah, on parle uniquement où il y a une perte normale, d'accord ? Admettable, c'est la faute à pas de chance, ça arrive, mais c'est encore dans le domaine du normal, du supportable. Et donc dans ce cas-là, cette fois-ci, on a une discussion. L'avis de Chachamim, la Gemara nous enseigne, que c'est lié en fait, c'est la notion qu'on avait rapportée hier, avec qu'on avait rapportée vendredi, avec le fameux chidouche de Rav Menachem Mendel Mishkalao, que la Gemara qui le dit, Rosa Adam, Bekav Shelo Yoter Mitishakavin Shel Chavero. Un homme préfère manger un cave, une mesure qui lui appartient, plutôt que 9 mesures de son prochain. C'est fréquent, les jeunes mariés le savent très bien, une femme qui va se mettre à cuisiner et à s'investir à faire un repas, même si ça ne sort pas super bon, elle va le manger, son mari va le manger, ils vont être très contents de ce qu'il y a, alors qu'en réalité, ça aurait pu être beaucoup mieux s'ils étaient partis acheter quelque chose de tout près. Mais il ne faut pas le dire, et en plus de ça, on est même concrètement très content de manger le fruit de son labeur. C'est-à-dire, dans ce qu'on a peiné, on se sent proche de ce qu'on a peiné. En l'occurrence, l'Agmara nous explique que c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à ces fruits, étant donné que ces fruits-là ont été achetés, c'est le fruit du labeur du propriétaire, c'est lui qui a semé son champ et qui a finalement récupéré cette récolte. Donc, on la lui laisse, qu'il se fasse son plaisir de les manger. Plutôt que d'aller les vendre pour leur apporter autre chose, afin d'éviter les pertes. Ça, c'est l'avis de Chachamim. En réalité, et donc, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, non, malgré tout, ça va, quoi. C'est sympathique, les belles théories, mais concrètement, on préfère une belle quantité plutôt que d'en avoir moins. Ça, c'est le... Alors, précision importante. Je vous ai dit qu'un homme préfère une mesure de gelu plus que 9 de chez le voisin. Le Barthénora va nous préciser qu'attention, c'est un petit peu exagéré comme mesure, puisqu'en réalité, on a appris qu'à partir du moment où il va perdre plus que la norme l'admet, selon tous les avis, il faudra vendre. Et même si ça ne fait pas du tout, si on ne va pas passer le 9e, ça veut dire qu'il va y avoir une perte beaucoup plus... D'accord, si on fait le rapport. On avait parlé par exemple de 7%. 7% jusqu'à 7% de perte, je les garde. Mais si par contre on atteint déjà les 9-10%, alors là, il faudra se dépêcher de les vendre. Ah, on avait dit qu'il préfère un de chez lui plus que 9, donc en fait, il préfère garder même 10% de toute la récolte qu'il avait. On constate qu'en réalité, c'est une phrase qui a été un petit peu exagérée, c'est une manière de parler. Voilà, on a fini la Mishnah, et puis maintenant, on fait tout ça dans les mots du Bartenora. Amafkid perot etzel chavero, j'espère que j'ai été assez clair. Je me suis un petit peu embrouillé quand j'ai parlé, mais en tout cas, je pense que vous m'avez suivi. Concrètement, je me reprends encore une fois au cas où. La super phrase jolie que Adam Rotse, Bekav Shelo Yoter, Mitishakavit Shel Chavero, un homme préfère une mesure de chez lui plus que 9 du voisin, c'est une phrase un petit peu exagérée. En réalité, un homme, il préfère une de chez lui plutôt qu'une écart du voisin. Mais une et demie du voisin, il préfère déjà celle du voisin parce qu'au moins il mangera mieux. D'accord ? C'est prouvé de la suite. C'est-à-dire, concrètement, si on veut appliquer ça sur la récolte,
si jamais, si la phrase d'un homme préfère une mesure de chez lui plus que neuf de chez le voisin était strictement vraie dans ces mots, ça signifierait que même si finalement ma récolte, je vais perdre 80% de ma récolte, il faudra quand même me laisser ma récolte, comme ça je vais me manger au moins un cinquième, un de chez moi, plus que cinq, que si tu me ramènes l'argent, il va falloir que j'aille acheter chez quelqu'un d'autre et je préfère manger ma récolte. Là, c'est faux. La règle, elle nous dit juste, dès qu'on va perdre plus que la norme, il faudra le vendre, même si concrètement, ça ne représentera pas un contre neuf, ça représentera même un contre un et demi. D'accord ? On fait ça maintenant dans les mots. Amafkid perot etzel chavero. Donc on a vu dans la Mishnah qui avait marqué Afiluem avudim. Même s'ils sont perdus. Comment ils sont perdus ? Alida achbarim o rikavon. Excusez-moi. Donc, par des achbarim, achbar c'est une souris. O rikavon, ça pourrit. Loïga baen, on avait vu, l'avis de Tanakama nous dit Loïga baen, tu ne les touches pas, tu les laisses. Le Batenora nous rapporte la super phrase Loïga baen la mochran. Il ne va pas commencer à les toucher pour aller les vendre. Les filles, Sherotse, Adam, Bekav, Shelo, Mitisha, Kavin, Shel Chavero. Car un homme préfère Kav, Shelo, Kav, c'est une mesure. Kav, un Kav de chez lui, plus que neuf de chez le voisin. Il explique le Bartenora. Kav Shelo, Chaviv Alav, Alide Shamalbo. Une mesure de chez lui, elle est agréable à lui, à ses yeux, à son. Ouais. Alide Shamalbo, par le fait qu'il a peiné pour l'obtenir. Mitish A, Kabin, Shalachirim, Sheikar, Bidmehen, Imim Kerem. Plus que neuf mesures d'une autre personne. Sheikar, Bidmehen, qu'il pourrait acheter si tu me rapportais l'argent. C'est-à-dire, si tu me vends mes fruits, tu vas me rapporter 100 shekels, je vais pouvoir partir acheter ensuite. Supposons qu'il y avait 10 kilos de fruits au début, tu m'as donné, donc tu les as vendus, tu m'as rapporté 100 shekels, comme ça je vais pouvoir aller racheter 10 kilos de fruits de nouveau. Or, si tu les laisses pourrir, ça va perdre jusqu'à la moitié, donc il va me rester juste 5 kilos de fruits, donc une valeur de 50 shekels. Et ben, je préfère moi manger un de chez moi, plus que aller racheter 10 de chez le voisin. Velo amro rabanan arezelo iga baen, ela shelo avdu, ela. Attention, Chachamim n'ont dit que tu ne toucheras pas les fruits, tu les laisses tels quels, à condition qu'ils ne perdent pas, qu'ils ne diminuent pas plus que Keder Chisronan, plus que leur perte, le quota de perte admis. À mes forages, ben Mishnah Tenu, qui sera expliqué dans la Mishnah, en fait, ce sera la Mishnah Zayin, la prochaine. Les Chitim, Vela Ores, Tishat, Ratzae Kabit, les cours, on donnera là-bas une mesure, on explicitera exactement à quoi ça correspond. Aval, imavdu yoter mikedeh chisronam. Par contre, ils ont perdu plus que le quota de perte admis. Modim chachamim le rabban Shimon ben Gamliel de mochran bebet din. Chachamim aussi sont d'accord qu'il faudra dès lors les vendre devant le bet din. Ve alacha ke chachamim el alacha est fixé comme chachamim. Je vous propose quand même une petite déduction que j'ai pensé là, je ne l'ai pas vu écrite, mais je pense que c'est tout à fait logique. Supposons par exemple que maintenant, je vous donne à garder des fruits, mais pas que j'ai labouré. J'ai simplement qu'on m'a apporté, on m'a fait cadeau. Une personne est venue, m'a fait cadeau des fruits. D'accord ? Et je vous les donne à garder. Là, cette fois-ci, il semble que vous pourrez les vendre. Puisque dans ce cas-là, j'ai plus d'intérêt à garder ces fruits-là tels quels, puisque c'est plus le fruit de mon labeur. Je pense que la déduction, elle est bonne. Ça donne matière à réfléchir. Pour le moment, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Un petit rappel encore une fois, si vous souhaitez dédicacer des Mishnayot, les Elohim Nishmat, ou pour la réussite de qui le voulait, prenez contact avec le site 5 minutes éternelles. On vous répondra pour avoir raison d'un don de ce que vous voulez. On n'a aucun problème. Mais Simcha Rabba, si on peut dédier des Mishnayot et les Elohim Nishmat, c'est un grand route pour les défunts. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.